Allez, bonjour à tous, je vous emmène à planter les tomates. Donc j'espère que vous regarderez la vidéo jusqu'à la fin. C'est le truc que je vous montrerai parce que c'est pour parce que ma fille elle m'a bien aidé dans le jardin et je vous montrerai de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà ce que le jardin a été fait avec la famille. Voilà, tout ça vous verrez en vidéo et en vidéo. Nous allons planter les tomates où il y a les piquets. Donc tous les piquets, ce sera des futures tomates que j'ai mis dans leur mort, je vais vous faire voir dans une minute. Et j'ai fait moi-même que j'ai récupéré dans les champs. Les faroucheurs pour éviter que les oiseaux mangent les feuilles. Donc voilà toutes les plantes tomates qui est dans la petite remorque. Hein. Donc les plantations de tomates qu'on a fait nous-mêmes. Donc voilà, je vais vous faire voir tout ça. Donc les tomates, on va parler que de tomates pour le moment. Donc voilà ce que c'est les variétés. Il y a de la noire écrémée, il y a tout. Voilà, fait maison. Et donc nous allons les planter. Donc du coup nous allons faire les trous à la bêche. Donc là je prends juste ça pour couper un peu les herbes. Pour bien préparer le terrain. Donc c'était pour faire voir un petit peu. Donc voilà la prêcheur. Donc c'est vrai en dessous. Donc on va pouvoir les planter. Donc chercher la bêche. Voilà les trous, donc au fond c'est de la fraîcheur, c'est normal, voilà, et au-dessus la croûte de battance qui est sec, voilà, et on a fait les trois trous. Donc nous allons planter les tomates et mettre légèrement du fumier. Taken by the words that you say, the voice that carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever be? That all depends on what you're feeling from me. Let me show you all the way. Let me show you all the way. Enlever les racines, les déqueter comme ça pour les faire redémarrer plus facilement dans le... Voilà, allez, on referme, voilà, on referme le trou et puis un petit peu de la terre, en plus c'est de la fraîcheur, j'ai bien fait de l'avoir roulé, le jardin, voilà, et autour on mettra de l'herbe après pour faire de la réserve, voilà comme on fait dans nos régions, je réexpliquerai ça après. Allez, on peut... J'ai la stagiaire qui vient de m'aider. Donc là, on continue à planter. Tous les trous qui sont faits là, on met les tomates. Donc là, on est en train de mettre de l'ananas, la variété de la tomate. Je vous fais voir. Voilà la variété, ananas. Alors, donc le foin, c'est ce qui va permettre pour mettre au pied de la tomate, donc qui est ici, voilà. Donc là, la feuille, on la coupe pour pas qu'elle touche au sol. Autrement, on va toucher, avoir les maladies tout de suite, c'est pas bon. Alors... On prend de l'herbe et on les met autour de tous les plants qu'on a plantés. On va les mettre autour. Voilà.
Après, ça va permettre de d'un, de pas avoir trop de mauvaises herbes et de deux, d'avoir surtout de la fraîcheur au pied. Voilà pourquoi que j'insiste, moi, toujours à mettre de l'herbe. Pas de la paille, parce que la paille, ça glisse et les limaces, ça fait si rapidement que là, ça, c'est plus dru. Ouais, ça glisse pas, c'est plus dru. Voilà, ils n'aiment pas les limaces. À côté, pareil. Voilà. On fait ça. On va faire ça à toutes les tomates. On fait ça à tous les pieds de tomates. Ça rend quand nous installons dans nos pieds de tomates, bah de l'herbe au pied et dedans et de deux, donc dedans c'est de l'herbe donc ça se décompose et de deux ça fait de la matière organique, de la matière organique qui rend la richesse encore au sol, qui fait un peu de l'engrais et d'habitude au fond je mets du purin d'ortie mais je l'ai pas mis parce que bah j'ai pas mis mais tant pis c'est pas grave. Après l'avoir bien planté et d'avoir mis la paille que vous voyez par terre au sol avec ma stagiaire, que vous aurez vu un petit peu dans la vidéo mais que les mains. Donc on a mis de la paille voilà, au sol avec les pieds et les piquets et toutes les noms des tomates, donc la marmande, la nana. Maintenant on va arroser, alors on est parti. Donc pour arroser je vais mettre une bonne arrosoir que vous voyez là et on va mettre au pied de chaque pied une très bonne arrosoir. On va mettre une et demie plutôt. Alors, pour arroser, les amis, il ne faut pas arroser sur les feuilles, parce que les feuilles, ils n'aiment pas ça du tout, l'eau. Il faut les arroser bien au pied. Alors, si vous débutez dans le jardin, n'hésitez pas à mettre des bouteilles coupées juste en haut pour guider l'eau bien au pied. Voilà, donc après d'avoir arrosé, comme ça, le fait d'avoir mis l'herbe, et ben, en fait, ça va bien les... Attends, je remets bien, voilà, c'est ma fille, elle l'a mis un peu là, parce qu'elle a voulu m'aider, la stagiaire. Donc, j'espère que vous avez bien laqué pour ma fille. Parce qu'elle m'a bien aidé. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine. Un coup terminé, toutes les tomates qui sont plantées. Donc voilà toutes les tomates, donc combien de rangs? Alors une petite explication, donc ça c'est un masque, comme il y a le courbevirus, c'est un masque fait agricole, qui est fait en chambre, voilà, c'était juste pour vous faire montrer un petit peu que nous en agricole, on a des masques faits donc de la région, qui est fait en chambre, voilà, c'est de la région, des agriculteurs, voilà, qui ont produit les masques de nez. Voilà les amis, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, appuyer abonnement, activer la cloche et surtout de liker. Voilà, donc j'ai fait ça avec la stagiaire et juste en haut du i blanc, il y aura la vidéo précédemment et à la fin de la vidéo aussi. Voilà.